enfin les pieds dans le sable. Ces deux couples d'amis ont débarqué à Portici ce matin et ils attendent tranquilles leur location. Depuis des années, ils alternent leurs vacances de part et d'autre de la Méditerranée. S'ils ont noté que les prix d'hébergement avaient nettement augmenté cette année en Corse, la Côte d'Azur reste en deuxième position. C'est différent et il y a plus de monde et c'est plus froid, l'accueil est plus froid. On y va parce que toujours pareil pour avoir le climat, mais on préfère revenir en Corse pour l'accueil. Pour ce bonheur-là, il débourse 3000 euros pour 15 jours dans une villa sur les hauteurs. Mais plus de frais d'agence, ils ont conclu leur contrat par Internet. Même attachement pour les Van Vicht et leurs amis. Boulangers réputés à Reims, ils ont eux aussi loué depuis les années 90 partout en Corse avant d'acheter ici, à Portici, où il y a deux ans, 5000 euros le mètre carré, sans aucun regret. Ah, pourquoi ce lieu? Parce que nous avons des amis qui habitent à Portici, premièrement. Deuxièmement, c'est proche de l'aéroport. À 10 minutes de l'aéroport, ils viennent nous chercher. On prend l'avion de Paris. 5 heures après, on est en Corse, quoi. Ça reste abordable par rapport à la Corse du Sud. Là, sur Ajaccio, je trouve que c'est un peu moins cher que sur Porto-Vecchio. Dans deux semaines, ils repartent, ils mettront leur appartement en location. Entre juillet et août en Corse, les échanges entre particuliers ont atteint en 2017 un pic. Ils assurent près d'un tiers des 12 millions de nuitées touristiques. Sans doute beaucoup plus à Portici, où le taux de résidence secondaire est très élevé, les hôtels sont les premiers à pâtir de cette dynamique. On ne peut pas aller contre. L'idée, c'est simplement de réguler le marché et que les propriétaires déclarent leur location, que ce soit taxé à juste titre. Globalement, en 2017, les hôtels n'ont compté que 10% des nuitées de la saison haute. Pour certains d'entre eux, pour s'attacher à leur clientèle dans la première quinzaine de ce mois de juillet, il a fallu casser les prix. Mmh.